J'aime particulièrement ce chant parce que le chant dit Jehovah Jireh is on your matter. C'est-à-dire que le Dieu qui pourvoit. Is on your matter, c'est un peu, c'est pas un anglais british, mais en sorte, ça veut dire Dieu est sur ton cas. Alléluia, ouais, ouais. Amen. Et je vais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu est sur ton cas. Alléluia. Mais Dieu prend soin de ton dossier. Amen. Alléluia. Is on the matter. Alléluia. Il s'en occupe. Amen. Il en prend soin. Amen. Et c'est réconfortant de savoir que Dieu prend soin de ton dossier. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Venez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très heureux de vous voir si nombreux ce matin. Alléluia. Pour ceux qui nous font l'honneur de nous visiter pour la première fois, bienvenue à Bethel. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si tu es content d'être dans la maison de l'Éternel, fais juste les claquements des doigts comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Que Jésus soit béni. Amen. Deux informations rapidement. Nous voulons signaler à l'Église, pour les anniversaires, ceux qui fêtent l'anniversaire en septembre, on ne vous a pas oublié. Hein. Amen. Par la grâce de Dieu, l'ancienne Kouassi. Où ancienne Kouassi? L'ancienne Kouassi, voilà. L'ancienne Kouassi sera là dimanche prochain. On va vous célébrer, on va faire fête même. Je pense qu'elle parlait avec elle pour vous amadouer un peu. Peut-être on va faire gâteau, tout ça là-dedans. Hein? Ouais, ouais. Et bien, on va voir le doyen. Sûrement qu'on aura un gâteau pour ceux qui ont les anniversaires en septembre. Mais on ne vous a pas oublié. Alléluia. Amen. Donc comme cette semaine, à cause du temps, il y a la Sainte-Seine. Donc, on fera les anniversaires la semaine prochaine. Donc, même si, par exemple, hier, c'était l'anniversaire de ma fille, mais ne vous en faites pas, dimanche prochain, son anniversaire continue. Donc, si ton anniversaire, c'est cette semaine, dimanche prochain, ton anniversaire continue. Est-ce que tous les gens de septembre peuvent dire Amen? Amen. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Hier, nous avons eu une belle fête ici à l'église. Nous rendons grâce à l'Éternel pour le couple d'Obi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Ils sont tout beaux. Alléluia, Amen. Dieu les a oints d'une onction fraîche. Ils sont renouvelés. Alléluia, Amen. C'est un nouveau couple. Alléluia. Ils sont nouvellement mariés. Alléluia, Amen. Et nous disons merci au Seigneur pour leur vie. Que Dieu vous bénisse. Félicitations encore. C'était une belle fête. Et le nom de Jésus était élevé. Amen. Gloire à Dieu. Le président de la jeunesse, deux annonces rapidement. Le président de la jeunesse informe les jeunes et leurs parents que le vendredi 18 septembre, il y aura culte de la jeunesse de 19h à 21h. Est-ce que Jeunesse Action peut dire Amen? Amen. Jeunesse Action. Je ne vous entends pas. Jeunesse Action. La puissance Action. Recevez. Ah, c'est bon, ils sont là. Que Dieu vous bénisse. Donc, s'il vous plaît, c'est vendredi 18 septembre. Alléluia, je serai là. Vous n'avez pas dit Amen. Hein? Bon, je ne viens plus. Amen. Alléluia. Mais on sera tous là. Amen. Pour passer ce temps. C'est un temps de lancement des activités de la jeunesse. Amen. Et nous viendrons pour ensemble en bénir le nom du Seigneur. Amen. Donc, n'oubliez pas, la jeunesse, les parents aussi, c'est le 18 septembre, vendredi, de 19h à 21h. Amen. La réunion des leaders se fera la semaine prochaine. Donc, après, on n'aura pas réunion des leaders. Gloire à Dieu. Ah, bonne nouvelle. Nous voulons aussi annoncer les fiançailles de la sœur Anita avec le frère Adengra. Où ils sont? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc hier c'était la dot. Vous voyez les gens de Judas là. C'est Judas, non? Ouais, ils sont en train de crier beaucoup, beaucoup là. C'est ça, les gens de la tribu Judas, avec, je vois, l'administrateur de Boli, il ne parle pas, mais c'est leur groupe là, et tous sont ensemble.
Amen. Nous bénissons le Seigneur, amen, pour la vie des frères David Adengra et Anita, amen. Hier, ils ont fait la dot et le mariage, c'est pour très bientôt. Alléluia. Donc, commencez à préparer les sapes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais nous, 19 septembre, alléluia. Mais nous rendons grâce à Dieu, amen, de ce qu'il est en train de faire dans la vie de ses enfants ici à l'église. Nous prions que Dieu bénisse ce beau couple. Alléluia. Et le 19 septembre, nous allons aller pour que ce que Dieu a commencé là, ça va finir en même temps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va passer à la parole. J'aimerais qu'on s'élève. Amen. Je vais demander au groupe de louanges, si on peut chanter le chant, le nom de Jésus, déplace les montagnes. Voilà. Elle connaît. On va s'élever. Alléluia. Amen. Élevons les mains vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Et invitons Jésus. Et il est fidèle. Jésus, ton nom est grand. Alléluia. Rends grâce à l'Éternel. Si l'Éternel a été bon pour toi cette semaine, élève la voix et bénis-le. Élève la voix et dis-lui merci. Élève la voix et rends grâce à ton Dieu. Il est bon, il est fidèle. Il est grand, il est puissant. Et son règne n'a pas de fin. Le nom de Jésus est grand. Chantons tous ensemble, le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est grand. Yes, le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus. Je
Est-ce qu'on peut acclamer ce grand nom? Merci beaucoup. Le nom au-dessus de tous les noms, car à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur dans les nations, il est le Seigneur en ces lieux, il est le Seigneur de ta vie, il est le Dieu de gloire et son nom c'est Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer avec des cris de joie? Il n'y a rien que le nom de Jésus ne puisse faire. Quand Paul, quand Pierre et Jean ont rencontré cet homme paralytique qui mendiait à la porte appelée la Belle, ils lui ont dit, l'or et l'argent nous n'avons pas, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. J'ai dit, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Et tout comme par la puissance du nom de Jésus, ce paralytique-là, ce jour, s'est levé et il a fait quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Je vais déclarer maintenant, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, que quelque chose qui était impossible dans ta vie jusqu'à maintenant devient possible dans le nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, je déclare que la malédiction est maintenant brisée. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Alléluia. Amen. Par la puissance du nom de Jésus, je proclame, reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta percée. Celui qui me donne le amen le plus fort, reçoit son miracle maintenant. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Amen. J'écoutais le pasteur Kadi parler tout à l'heure. Et en ce matin, le Seigneur me met à cœur une parole qui est beaucoup plus comme une parole prophétique que quoi que ce soit d'autre. Alléluia. Amen. Et en principe, aujourd'hui, je voulais continuer d'enseigner sur l'amour de Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur me met à cœur de déclarer à l'Église que cette saison sera pour nous une saison d'enfantement. Alléluia. Je n'ai pas parlé avec le pasteur Kadi. Et quand j'étais assis là, je l'entendais parler. J'ai dit, ouais, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est un. Alléluia. Parce que c'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur de déclarer à l'Église, de proclamer sur vos vies, de proclamer sur la vie de ce ministère une saison d'enfantement. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis après moi, oh Dieu, c'est ma saison d'enfantement. La stérilité physique, spirituelle, matérielle et autre est brisée dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous voulons déclarer un changement dans l'atmosphère spirituelle. Alléluia. Un changement dans nos vies, de la pauvreté à la prospérité, de la maladie à la bonne santé, de la dépression à la joie, de la haine à l'amour, de l'esclavage à la liberté. Je déclare aujourd'hui une saison d'enfantement dans le nom de Jésus. L'Éternel t'élargit. L'Éternel étend tes cordages. L'Éternel t'élève. L'Éternel te donne d'expérimenter sa volonté parfaite dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qui était obstacle pour donner naissance à ce que l'Éternel a mis en toi est maintenant brisé dans le nom de Jésus. Alléluia. Rien ni personne ne pourra empêcher ce que le Seigneur veut faire dans ta vie et au travers de ta vie. Rien ni personne ne pourra faire ombrage à ce que l'Éternel veut faire dans ta vie et au travers de ta vie. En fait, le Seigneur m'envoie te dire, tu vas finir l'année 2020 en beauté.
Tu vas finir l'année 2020 en puissance. Alléluia. Tu vas bien finir l'année 2020. L'année 2020 ne va pas finir dans un échec. L'année 2020 ne va pas finir dans une déception. L'année 2020 ne va pas finir dans les pleurs. Mais tu vas finir l'année 2020 dans la joie. Tu vas finir l'année 2020 dans la gloire de l'Éternel. Tu vas finir l'année 2020 dans la puissance de l'Éternel. Tu vas finir l'année 2020 en expérimentant la gloire, la puissance, la fidélité et les promesses de l'Éternel pour ta vie. Si tu es d'accord, donne-moi un amen fort. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 25, verset 21, que Isaac a prié à l'Éternel parce que sa femme Rebecca n'avait pas d'enfant. Isaac est allé prier à l'Éternel et Isaac dit à l'Éternel, « Seigneur, donne un enfant à ma femme. » Et la Bible dit que Dieu a visité Rebecca et Rebecca est tombée enceinte. Mais la Bible dit que quand Rebecca était enceinte, elle était troublée dans son esprit. Elle n'était pas à l'aise dans son corps. Et Rebecca elle-même est allée voir, elle est allée chercher la face du Seigneur. Et elle dit, « Seigneur, on t'a demandé un enfant. En principe, actuellement, je devais être dans la joie, je devais être bien, mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas bien dans mon corps? Pourquoi je ne me sens pas bien? » Et l'Éternel dit, Rebecca, la raison pour laquelle tu es si inconfortable, c'est parce que dans ton sein, à l'intérieur de toi, il y a deux nations qui se battent. Il y a deux nations qui combattent dans ton ventre. Alléluia. Il y a un jeune frère avec son grand frère. Ils combattent pour voir qui va sortir le premier. Mais je veux te dire, dans ce combat-là, le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Et parce qu'il y a quelque chose de puissant qui doit se passer, c'est pourquoi tu sembles être aussi mal à l'aise. C'est pourquoi il semble avoir tant de combats dans ta vie. Rebecca, il y a quelque chose que j'ai mis en toi qui doit sortir. Et la raison pour laquelle tu es comme tu es là, c'est parce que ce qui est en toi est trop grand. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel va te donner de donner naissance à quelque chose de plus grand que toi. Alléluia. La raison pour laquelle tu sembles être attaqué de toutes parts, la raison pour laquelle tu sembles être inconfortable dans ton corps, là où tu es, c'est parce que l'Éternel t'a positionné pour donner naissance à quelque chose de grand, pour donner naissance à quelque chose de puissant, pour donner naissance à quelque chose de miraculeux, pour donner naissance à quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose que l'Éternel a mis en toi et qui doit sortir. Et ce qui va sortir là, ça va affecter ta génération. Ce qui va sortir, ça va impacter ta nation. Ce qui va sortir, ça va impacter le monde. Ce qui va sortir, ça va faire la différence dans ta vie, la différence dans ta communauté, la différence dans ton village, la différence dans ta nation. C'est toi que l'Éternel a désigné pour révéler sa gloire et pour révéler sa puissance. Si tu es d'accord, dis yes. Bien-aimé, la raison pour laquelle certains parmi vous, ta saison d'enfantement prend autant de temps, c'est parce que ce qui est en toi là, ce n'est pas petit. Dis après moi, ce qui est en moi, ce n'est pas petit. Ce que l'Éternel a mis en moi est grand. Ce que l'Éternel a mis en moi va bouleverser, va changer la destinée de nations dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux ajouter un amen dessus? Ta saison de donner naissance est arrivée. Dis à quelqu'un, ça y est là, 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 ça y est là. Ça y est là. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, il dit, vous allez finir. Il dit, you shall finish 2020 strong. J'aime cette expression. Yeah. C'est-à-dire, vous allez finir l'année 2020 en puissance. Okasamaya Kouriaba. Bien-aimé, tu vas finir l'année 2020 en puissance. Et tu sais pourquoi? Parce que pour donner naissance, tu as besoin de force. Si tu n'as pas de force, tu ne peux pas donner naissance. Si tu n'as pas la gnaque, les Sénégalais disent, la persévérance, l'endurance, tu ne peux pas donner naissance. Alléluia. Parce que tu peux arriver à un niveau là où tu dois donner naissance, mais la force te manque. Mais je déclare cette saison, reçois la force, reçois la grâce, reçois l'endurance dont tu as besoin pour donner naissance à ce que l'Éternel a mis en toi. Je déclare en cette saison, ton rêve ne sera pas avorté.
Je prends autorité contre tout ce qui est esprit de fausse couche, tout ce qui s'élève pour empêcher que le rêve qui est en toi, le ministère qui est en toi, que Akazimaya, la vision que Dieu t'a donnée, tout ce qui veut s'élever pour empêcher que cette vision, que ce rêve, que ce bébé devienne une réalité, est maintenant brisé, est maintenant anéanti dans le nom de Jésus. Élève la main, élève la main, élève la main, élève la main, élève la main. L'Éternel te visite maintenant là où tu es. L'Éternel te visite là où tu es. Quand je parle d'enfantement, c'est plus un enfantement spirituel qu'autre. Alléluia. Mais même quand je parle d'enfantement, bien-aimé, ne regarde pas ta condition, ne regarde pas ce que les médecins ont dit. Parce que je parle de ce Dieu-là qui a permis que le Seigneur Jésus naisse de par une vierge. Ha, Samayako Riaba Santaya. Là où on dit ce n'est pas possible qu'une vierge puisse enfanter, si Dieu était capable de faire enfanter une vierge, là où on dit il est impossible à la Kazimaya qu'il y ait conception ou même enfantement, Dieu a permis par la puissance de l'Esprit que Marie Hakazimaya donne naissance. Maintenant je déclare, l'Esprit de Dieu est sur toi. Je dis l'Esprit de Dieu est sur toi. Et l'Éternel, par la puissance de son esprit, là où les hommes ont dit ce n'est pas possible, Dieu rend ça possible. Je dis, là où les hommes ont dit il n'y a pas, ce n'est pas possible, l'Éternel rend cela possible. Là où les médecins ont dit que tu ne peux pas enfanter, je déclare maintenant que les rapports des médecins sont nuls et non avenus. Alléluia. Car la Bible dit que Dieu soit trouvé comme étant véridique et que tout homme soit menteur. Alléluia. Tout rapport des hommes, nous choisissons de croire dans le rapport de l'Éternel. Quel que soit ce que les docteurs ont dit, quel que soit ce que les hommes disent, ta saison d'enfantement est arrivée. Il est impossible qu'on t'arrête. Il est impossible à Kazimaya Koryaba qu'on puisse te restreindre. Ce que l'Éternel a mis en toi va sortir par la foi ou par la force dans le nom de Jésus. Dis après moi, oh Dieu, je ne t'entends pas. Dis, oh Dieu, c'est ma saison d'enfantement. Et ce que l'Éternel a mis en moi, le bébé qui est en moi, la vision qui est en moi, le rêve qui est en moi, en cette saison, la prospérité qui est en moi, la promotion qui est en moi, le ministère qui est en moi, le business qui est en moi, en cette saison de l'enfantement, je déclare par la foi ou par la force, ce bébé, cette vision, ce rêve se manifeste maintenant même dans le nom de Jésus. Alléluia, lève la voix et déclare, maintenant ton rêve se manifeste, ta vision se manifeste, maintenant ta promotion, ta prospérité s'élève. Merci Seigneur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, déclare-le, déclare-le, proclame-le maintenant même dans le nom de Jésus. Ah, Samaya Korea, papa. Déplace les montagnes. Faut pas aller trop loin. Le nom de Jésus est là. Déplace les montagnes. Renverse les murailles. Le nom de Jésus est grand. Il déplace les montagnes. Il renverse les murailles, déplace les montagnes, renverse les murailles. Le nom de Jésus est grand. Déplace les montagnes, déplace les montagnes. Laissez-moi partager avec vous le message de ce matin. Habacuc chapitre 2 verset 3. Un passage que tu connais très bien. Ce matin, je ne pense pas qu'il y ait prêché. J'ai juste donné une parole de connaissance. Est-ce que ça peut aller? Il dit, est-ce que ça peut aller?
Et le Seigneur me répondit. And the Lord answered me. L'Éternel m'adressa la parole. Aujourd'hui, ministre Obi, c'est lui le marié. Donc, il est au repos. Écris la prophétie. Grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Je vais dire à quelqu'un ce matin, écris la prophétie. Yeah. Écris en ce 6 septembre 2020. Je déclare, ta saison d'enfantement est arrivée. Écris la prophétie. Yeah. Écris. Écris-la. Écris. Il lui dit, écris-la. Parce que tu ne sais pas ce qui va s'élever contre toi. Tu ne sais pas ce que l'ennemi va faire. Écris. Comme ça, quand ça arrive, Dobby, tu peux lire. Tu vas te rappeler. Écris. Écris. Cette parole vient au prophète Habacuc, bien-aimé. Laissez-moi vous dire, en une saison de la vie du prophète, là où il semblait que rien ne marchait, la méchanceté régnait en Israël. Le système judiciaire était brisé. Les coupables étaient libérés et les innocents étaient condamnés. Le peuple avait perdu tout respect pour la loi et pour la loi du Seigneur. La violence partout. Les hostilités, les combats. Et il semblait que Dieu ne faisait rien. Le prophète a prié, mais la situation n'a pas changé. Le prophète a crié, et c'est comme si Dieu n'entendait pas. C'est comme si Dieu n'écoutait pas et il était frustré. Frustré comme nombreux parmi vous ce matin. Frustré comme ceux qui crient depuis longtemps par rapport à la situation. Frustré comme ceux qui sont fatigués de voir ce pays chaque 10 ans se retrouver dans des troubles à cause d'élections. Frustré, il semblait que rien ne se passait. Mais Dieu lui dit, hey! Écris, dis après moi, écris. Dieu dit, écris cette prophétie. Grave-la, afin qu'on la lise. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Peu importe ce qui se passe autour de toi, écris-la, car cette parole va s'accomplir. Et dans la frustration d'Habacuc, Dieu lui parle. Et ce que Dieu lui dit, c'est que Habacuc, tu es frustré. Tu penses que je ne t'entends pas, mais je veux que tu saches. Je suis à l'œuvre. Je veux que quelqu'un sache ce matin. L'Éternel est à l'œuvre. Il semble que Dieu ne voit pas. Il semble que les méchants prospèrent. Il semble que c'est le désordre qui prospère. Mais je veux te dire, Dieu est à l'œuvre. Dieu dit à Habacuc, pourquoi tu es frustré? Je travaille. Je travaille. Je suis à l'œuvre. Je suis à l'œuvre. Tu ne vois peut-être pas ce que je fais, mais je suis à l'œuvre. Tu ne vois peut-être pas ce que je suis en train de fabriquer, mais je suis à l'œuvre. Tu ne vois peut-être pas ma main, mais je suis à l'œuvre. Ce n'est pas parce que je suis lent à la colère que je vais tolérer la méchanceté. Ce n'est pas parce que je suis lent à la colère que je vais tolérer le péché. Je suis à l'œuvre. Oui, c'est vrai. Il semble que le péché prospère. Ya, 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 ya. Il semble que la méchanceté prospère. Il semble que les méchants ont pris le contrôle de tout. C'est bouclé et c'est géré parce qu'ils ont pris le contrôle de tout. Mais je veux te dire, mon Dieu est à l'œuvre. Mon Dieu est à l'œuvre. Mon Dieu est à l'œuvre. Déplace tes montagnes.
prophétie. Et puis écris-la. Écris-la, bien-aimé. Parce qu'on regarde et on a l'impression que c'est seulement les choses que le malin fait qui prospèrent. Et tu te demandes comment on va s'en sortir de cette situation. Dieu dit, je suis à l'œuvre. Est-ce que quelqu'un peut dire à papa, Dieu est à l'œuvre. Il travaille pour moi. Il travaille pour ma famille. Il travaille pour mes enfants. Il travaille pour ma nation. Bien-aimé, on dit en anglais, say it like you mean it. Dieu est à l'œuvre. Dis-le comme tu le penses vraiment. Dieu est à l'œuvre. Il travaille pour moi. Il travaille pour ma famille. Il travaille pour ma nation. Bien-aimé, nous avons besoin de comprendre et de recevoir pleinement la révélation que Dieu a à l'œuvre. Alléluia. Parce que Jean-Paul, sinon, au devant de tout le cafouillage qu'on voit là, on va penser que Dieu ne répond pas. Parce que comme les méchants semblent prospérer, même les justes même se posent la question de savoir, ça sert à quoi de servir Dieu? Ça sert à quoi de prier? Et depuis, on prie, mais ça ne change pas, c'est les mêmes là qui sont là. C'est le même diable qui est là. C'est même les mêmes méchants là qui prospèrent. C'est eux qui ont les promotions au travail, ils ne prient pas Jésus, ils ne vont pas à l'église, mais c'est eux qui ont l'argent. Donc ma prière, elle sert à quoi? Je veux que quelqu'un dise, Dieu est à l'œuvre. Ah, dis-le fort, Dieu est à l'œuvre. Dis-le pour que le ciel t'entende, Dieu est à l'œuvre. Dis-le pour que la terre t'entende, Dieu est à l'œuvre. Dis-le pour que tout l'univers t'entende, Dieu est à l'œuvre. Dis-le pour que le diable t'entende, Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Déplace les montagnes, renverse les murailles. Le nom de Jésus est grand. Habacuc est dans une période qui est mélangée dans la nation. Habacuc ne comprend pas. Les méchants prospèrent. Ils prient et c'est comme si Dieu ne fait rien. Alléluia. Mais Dieu lui dit, hé, écris la prophétie. Parce que je veux que tu comprennes. Je suis à l'œuvre. Tu n'as pas besoin, même si tu ne vois pas, sache seulement que je suis à l'œuvre. Sache seulement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sache seulement que la course, ce n'est pas pour ceux qui vont vite, mais c'est pour ceux qui vont endurer jusqu'à la fin. Ah. Sache seulement que parce que Dieu travaille, alléluia, bien que quand Noé a ouvert l'arche, les chevaux ont couru, ils sont partis. Mais la tortue a pris son temps. Mais avant qu'on ne ferme la porte, la tortue est rentrée. Ah. Bien-aimé, laissez les gens s'agiter. Laissez le diable faire son tapage. Dieu est à l'œuvre. Et c'est à lui que revient le dernier mot. Dis Alléluia. Habacuc s'en va. He went to the watchtower. Dis après moi, watchtower. Il est allé. Watchtower, c'est la place de la sentinelle. C'est la place de la prière. Parce que Habacuc dit, l'affaire là, c'est trop compliqué pour moi. Je vais me mettre dans les mains du Seigneur. Église de Jésus-Christ, quand ça devient trop compliqué, ce qu'il nous reste à faire, c'est de remettre notre sort entre les mains de l'Éternel. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'élever la voix vers notre Dieu. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de crier vers notre Seigneur. Parce que vous savez quoi? Des fois, on est tellement préoccupé à critiquer ce qu'on voit là-bas dehors, à nous plaindre de ce que l'ennemi fait. On passe plus de temps à parler de ce que le diable fait plutôt qu'à parler à notre Dieu.
Il faut que ça change. Oui, oui, il y a. Parce qu'a dit, tout le temps qu'Abacuc a pris là, pour se plaindre que le pays allait à la déroute, que le désordre régnait là, rien ne s'est passé. Mais Abacuc est allé, dis après moi, à the watchtower. C'est-à-dire la place de la sentinelle, le lieu de la prière. C'est là-bas qu'Abacuc est parti. Alléluia. Dis après moi, oh Dieu, en cette saison, donne-moi la grâce de demeurer fidèle à la place de la prière pour entendre ta voix, pour mettre ma confiance en toi, pour marcher dans tes voies, dans le nom de Jésus. Parce que bien aimé, c'est pendant qu'il était là-bas que Dieu maintenant lui a parlé. Dis après moi, c'est là-bas que Dieu lui a parlé. Alléluia. Dis après moi, c'est là-bas que Dieu lui a parlé. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qui veut savoir ce que Dieu a dit? Si tu veux savoir, dis pasteur, dis-moi. Oh, dites fort, dites-moi. Bon, si c'est ça, j'arrête. On continue la semaine prochaine. Faut dire, pasteur, dis-moi. Très bien. Oui, oui, merci, maman. Dieu lui dit, pendant qu'il était là-bas, à la tour de prière, Église de Jésus-Christ, on a juste besoin d'entendre une parole de l'Éternel. C'est ça qui va renverser la vapeur. Mais comme l'Église n'est pas à sa position pour entendre, on n'entend pas. Donc on pense qu'il n'y a rien. Mais il faut dire à ton voisin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Pendant que Habacuc était là-bas, il entend la voix. Et Dieu lui dit ceci. Dieu lui dit, écris la prophétie. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Hein? Dieu dit, le temps est déjà fixé. Dis après moi, le temps est déjà fixé. Oh, il ne faut pas avoir peur. Dis après moi, le temps est déjà fixé. La Bible dit, it's for an appointed time. C'est-à-dire que c'est un temps opportun. C'est un temps qui est déjà établi. Il y a une parole que l'Éternel a libérée, qui est déjà établie. Le temps que Dieu a ordonné pour cette parole-là est déjà établi. Et quand la saison arrive, Chokonachaka, ça va sortir. Il a établi qu'une grossesse dure 9 mois. Quand les 9 mois arrivent, tu veux ou tu veux pas, l'enfant va sortir. Je suis venu déclarer que la prophétie dont le temps est fixé dans ta vie est arrivée à son terme. Alléluia. Je dis, elle est arrivée à son terme. Je dis, elle est arrivée à son terme. Et elle s'accomplira quoi? Certainement. Quand Dieu dit, le temps est fixé. Fixé. C'est comme pointe dans le mur. Demandez à Roland si tu peux enlever. Ouais, ouais. Ça veut dire que ce que Dieu a fixé là, hein, le diable ne peut pas enlever. Ce que Dieu a fixé, l'ennemi ne peut pas défixer. Ce que Dieu a établi, ça va toujours éblouir le diable. Donc tu regardes dans ta situation et tu ne vois pas comment. Mais Dieu dit, le temps de la prophétie est déjà fixé. Que tes yeux voient, que tes yeux ne voient pas, le temps est déjà fixé. Que ton corps soit en accord, que ton corps soit en désaccord, le temps est déjà quoi? Fixé. Notre problème, c'est que comme nos yeux ne voient pas, donc des fois on est fébrile. Mais dis après moi, oh Dieu, le temps de l'accomplissement de la promesse dans ma vie est déjà fixé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 2. Il lui dit, elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la.
Parce que le temps est fixé et que la prophétie marche vers son thème. Sois patient, sois persévérant et attends le Seigneur. Vous voyez, notre problème, c'est que notre temps n'est pas toujours le temps de Dieu. On est trop pressé. Quand une femme est enceinte, hein, si à 5 mois, on veut précipiter l'accouchement, elle peut perdre le bébé. Il faut attendre que ça arrive au temps fixé. C'est pourquoi on dit que ça arrive à quoi? À terme. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand ça arrive à terme, obligé, ça va sortir. Je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas avorter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ne sois pas trop pressé. Parce que si tu vas trop vite, tu vas avorter le plan du Seigneur. Parce que ce que Dieu veut faire, ça va arriver à son terme. Oh, excusez-moi, mon temps est fini. Bon, donnez-moi 5 minutes. Je fais vite. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Il dit, cette parole, il dit, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce que l'Éternel fait est quoi? Est certain. Il n'y a aucun doute que Dieu va le faire. C'est pourquoi, si quand vous lisez le reste du passage, Habacuc continue et dit, le juste vivra par la foi. Et ce passage-là, c'est ce passage qui est repris dans le Nouveau Testament. En fait, dans le Nouveau Testament, quand vous entendez quelqu'un dire « le juste vivra par la foi », en fait, ils reprennent les paroles, la prophétie du prophète Habacuc. C'est lui qui a dit ça en premier. Le juste vivra par la foi. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'œuvre. Et ce que Dieu fait n'est pas toujours visible à l'œil nu. Mais ce n'est pas parce que tes yeux ne voient pas que Dieu n'est pas en train de faire. Ce n'est pas parce que tes yeux ne voient pas que la promesse ne va pas s'accomplir. Ce n'est pas parce que tes yeux ne voient pas que Dieu ne va pas révéler sa gloire et sa puissance. Ce matin, sache que la promesse s'accomplira, certes. Merci, mon. J'ai dit, sache que la promesse s'accomplira, certainement. Le livre d'Habacuc. Habacuc chapitre 1 commence avec un pleur. Seigneur, combien de temps encore? Et le livre d'Habacuc finit avec un chant de joie. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es venu dans des pleurs, tu es venu avec des complaintes, mais tu vas repartir avec un chant de joie. Tu vas repartir ton cœur rempli d'allégresse. Tu vas repartir ton cœur rempli de la gloire et de la puissance de Jésus. S'accomplira. Non, moi j'aime le Seigneur. Et il ajoute, elle s'accomplira quoi? Oh, elle s'accomplira comment? Elle s'accomplira comment? Dis après moi, oh Dieu, je déclare, advienne que pourra ta prophétie, ta promesse s'accomplira certainement. Bien-aimé, j'ai dit, oh, c'est ta saison d'enfantement. Faut dire amen. Parce que toi, je me suis rendu compte, le prophète à qui Dieu donne la parole, la prophétie, selon laquelle la promesse s'accomplira certainement, s'appelle quoi? Comment il s'appelle? Faut pas avoir peur. Comment le prophète s'appelle? Aidez-moi à prêcher ou bien d'aller m'asseoir. Comment le prophète s'appelle? Très bien. Et je me suis rendu compte, Minisobi, Habacuc veut dire en embrace. Habacuc veut dire en embrace, comme ça en anglais. Embrace. C'est-à-dire quoi en français? Une embrassade, c'est ça non? Je ne sais pas si c'est bon français. Non, accolade n'exprime pas bien. Enlacer. Enlacer. Le nom Habacuc veut dire enlacer. C'est au prophète Momentina qui s'appelle Enlacé que Dieu a donné la parole que la promesse s'accomplira certainement pour que Habacuc sache que la promesse qui vient là en cette saison, tu vas l'enlacer. Ah! J'ai dit, oh! Bien-aimé,
elle s'accomplira certainement parce que c'est une promesse que tu vas enlacer. C'est une promesse que tu vas attraper. C'est une promesse qui est réelle. C'est une promesse qui est vraie. C'est une promesse qui est d'actualité. C'est une promesse que tes yeux vont voir. C'est une promesse que tes ennemis vont voir. C'est une promesse que ta nation va voir. C'est une promesse que tous les hommes vont voir. Envers ces murailles, le nom de Jésus est grand. On va célébrer, on va célébrer, on va célébrer. Déplace les montagnes, renverse les murailles, le nom on va de célébrer. Jésus est grand. Saison d'enfantement. Je disais parce qu'a dit que hier soir le Seigneur m'a mis à cœur que c'est notre saison d'enfantement. Donc quand je t'écoutais parler, j'ai dit waouh, on ne sait pas parler, mais l'Esprit de Dieu élève les mains vers le Seigneur. Et la parole qui nous vient est soutenue par la prophétie d'Habacuc. Cette prophétie, elle est fixée. Yeah. Et elle s'accomplira certainement. Tu vas finir cette année 2020, non pas dans les pleurs, non pas dans l'échec, non pas dans la déception, mais tu vas finir cette année 2020 en puissance. Tu vas finir cette année avec un témoignage. Si c'est toi, faut dire amen. Je dis à mon fils Fortez, j'ai dit avant la fin de cette année, il y a un témoignage qui arrive. Yeah. Et je veux déclarer sur la vie de chacun de vous, vous allez finir cette année 2020 avec un témoignage. Avec un témoignage. Avec un témoignage. Souvenez-vous comment cette parole a été, cette prophétie a été libérée dans la vie d'Habacuc. Souvenez-vous des circonstances dans sa nation et dans sa vie à la période où il a reçu cette parole. Mais Dieu lui a dit, c'est une parole qui est déjà fixée et qui va s'accomplir. C'est une parole qui est déjà fixée. C'est une prophétie qui est déjà établie. Et elle va s'accomplir. Non seulement va-t-elle s'accomplir, mais c'est une prophétie que tu vas enlacer. Ça veut dire qu'en cette saison, ton rêve devient réalité. Your dream becomes sight. Ce qui était pour toi un rêve sera visible. Et je sais que ce n'est pas mon frère David Anengra qui me dira le contraire. En cette année 2020, ce qui était pour lui un rêve deviendra une réalité. Alléluia. Ça va devenir une réalité. En cette saison, ça devient une réalité. Ça devient une réalité. Tu ne vas pas seulement entendre le témoignage des autres. Toi aussi, tu vas rendre témoignage. Ouais, ouais. Tu ne vas pas seulement voir la télévision. C'est toi maintenant que les autres vont regarder dans la télévision. Ouais, ouais. Yeah, oh yeah. C'est pas seulement les autres que tu vas regarder. Toi-même, on va te regarder dans la télévision aussi. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel rend le rêve, la vision palpable, quelque chose que tu vas toucher. Là où tu es, tu peux commencer à t'entraîner. Fais tes doigts comme ça pour commencer à toucher. Yeah. Yeah.
Parce que c'est une prophétie qui court à son terme. Elle va s'accomplir certainement. Commence à... Aïe, 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 aïe. Et pendant que tu fais les mains comme ça, touche ta prospérité financière. Yeah, c'est dans ta main. C'est dans ta main. Ta guérison, pendant que tu fais ça, ça est dans ta main. Ça est dans ta main. Ça est dans ta main. Oh, c'est dans ta main. Ta percée financière, ton mariage, Asamaya, ton enfantement. Ça est dans ta main, 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 c'est dans ta main, ta promotion, aïe aïe aïe, reçois cela maintenant, reçois cela maintenant, reçois cela maintenant, ta maison, ta voiture, Akazimaya, ta percée, reçois, reçois. Ah, je vais dire à quelqu'un, pendant que tu fais le mouvement de tes mains, tu reçois maintenant dans tes mains, tu reçois maintenant dans tes mains, tu reçois maintenant dans tes mains, la promesse de l'Éternel. Ah, merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci. Élève les mains. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Bénis le nom de ton Dieu. Bénis le nom de ton Dieu. Pour le miracle qu'il accomplit, pour la percée, la force qu'il te donne. Merci Seigneur. Il faut que je m'arrête, on va faire la sainte scène. Alléluia. Mais je ne sais pas, je voulais vous parler de Jacob et de Tamar. Mais le temps me fait défaut. Sûrement dimanche prochain, je vais parler de ça. Alléluia. Parce que ce que Dieu veut faire, il va toujours l'accomplir. Et là où Jacob a pensé que Tamar était une femme maudite qui ne pouvait jamais enfanter. Là où Judas, merci, a pensé que Tamar était une femme maudite qui ne pouvait pas enfanter. Dieu l'a confus. Dieu l'a confondu. Totalement. Alléluia. Et c'est comme ça que l'Éternel va mettre la confusion dans le camp de ceux qui ont pensé que ta vie n'arriverait jamais quelque part, que tu ne pourrais jamais enfanter. C'est comme ça que Dieu, pour ceux qui pensaient que tu ne pouvais jamais te marier, pour ceux qui pensaient que tu ne pouvais jamais arriver quelque part dans la vie, pour ceux qui pensaient que toi aussi tu ne peux pas avoir visa pour aller quelque part, c'est comme ça que l'Éternel enverra la confusion, oh la confusion, dans le camp de l'ennemi. Alléluia. C'est ta saison d'enfantement. Et tous verront le miracle que Dieu va opérer avec toi et au travers de ta vie. Si tu es d'accord, lève-toi, dis Alléluia. Oh,
Seigneur, j'entends l'Esprit de Dieu me dire de dire à quelqu'un, cette parole est venue pour toi parce que Dieu veut que tu saches, il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Au milieu des troubles, au milieu des situations incertaines, au milieu des tempêtes, l'Éternel m'envoie te dire, au travers de cette parole, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Tu as du prix à mes yeux, dit l'Éternel. Tu as du prix à mes yeux, dit l'Éternel. Tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Les hommes te verront et tu seras à leurs yeux comme une merveille. Une source d'émerveillement. Les hommes te verront et se diront, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Les hommes te verront et tu seras un sujet, a subject of wonders. Tu seras un sujet de merveille. Un sujet de merveille. Un sujet de merveille. Ta vie sera un cas d'école. Les hommes te verront, oui, et diront, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? L'Éternel ne t'a pas oublié. L'Éternel ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Même si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. La saison de ton attente arrive à sa fin. Ta saison de semences arrive à sa fin. Ta saison de vaches maigres arrive à sa fin. Ta saison d'angoisse, de pleurs, de peur. Arrive à sa fin. Car moi l'Éternel, je me lève pour toi. Car moi l'Éternel, je me lève pour toi. Hey, je me lève pour toi. Je me lève pour toi. Et je ferai de toi. I will make you a wonder. I will make you a wonder. Hey. Je ferai de toi une merveille, dit l'Éternel. Je ferai de toi une merveille. Une merveille. Je ferai de toi une merveille. Une merveille, dit l'Éternel. Je ferai de toi une merveille. Une merveille. Une merveille. Une merveille. Une merveille. Tout comme Marie a donné naissance. Tout comme Marie a donné naissance à quelque chose qui a fait d'elle une merveille. Ce à quoi tu donneras naissance fera de toi une merveille. Un sujet de débat. Un sujet de discussion. L'Éternel ne t'a pas oublié. L'Éternel ne t'a pas abandonné. Tu es précieux à mes yeux, dit l'Éternel. Tu es précieuse à mes yeux, dit l'Éternel. Je ne t'ai pas abandonné et je ne t'ai pas laissé. Je ferai de toi un sujet de merveille. Merci Seigneur. Si tu reçois cette parole, acclame Jésus avec des cris de joie. Alléluia!
Bien-aimé, toutes les bonnes choses ont une fin. On sera ensemble dimanche prochain. Je vais inviter le pasteur Rosemont qui va venir. On va faire la sainte scène rapidement et puis on va partir. Alléluia. Si tu étais béni ce matin, lève-toi, acclame Jésus pendant que la servante de Dieu arrive.